Enfin, nous sommes capables de faire varier notre température interne pour nous adapter à la chaleur ou au froid. S'il le faut, nous pouvons rester 3 semaines sans boire, à condition de manger tous les jours. Les plantes du Sahara contiennent beaucoup d'eau et de sel. C'est mieux que rien. Au matin du 3e jour de marche, nous atteignons une palmeraie. L'eau fraîche jaillit d'une source. Elle coule directement dans l'abreuvoir. L'eau s'écoule ensuite.